Du tout la même personne. Non. Vraiment pas du tout. Donc c'est Mélanie, mais on la reconnaît pas du tout quoi. Pour moi, elle a dit qu'elle avait modifié son nez, mais que juste par rapport à... Elle avait eu un accident de voiture et elle l'a modifié son nez, mais parce que c'était à l'identique de ce qu'elle avait d'avant. Mais là, je vois que c'est pas du tout le même nez qu'elle a maintenant quoi. Bon, elle m'a dit, tu verras des photos de moi quand j'étais petite. Mon nez ressemble exactement à mon nez que j'ai maintenant, mais là je me rends compte que pas du tout. Ça, je suppose que c'est mon petit Thomas, voilà. Le changement. Remarque, c'était un canon quoi, en femme, hein, vraiment. Hein. Une très belle femme. Après, bah, c'est clair qu'il a changé, et puis il est très bien dans sa peau maintenant, donc je suis d'autant plus contente pour lui, vraiment. Cette photo. Alors, je devais avoir. 17 ans, 16-17 ans. Après, c'est vrai que j'ai changé de look, je me maquille moins les yeux parce que là, on aurait dit que j'allais faire un... Je sais pas quoi, mais on dirait un maquillage d'Halloween. C'est vrai que j'avais les yeux, je mettais tout le temps une tonne de trucs sur mes yeux. Toujours la bouche en cul de poule. Bon, ça n'a pas très changé, mais... Et puis la coupe, quoi. On aurait dit, j'avais une frange... on aurait dit Chantal Goya, une frange avec un bol. Pas beau du tout. Là. Donc là, c'était... moi, je la trouve bien, cette photo. Elle me trouve bien dessus. J'étais jeune aussi. J'avais 16 ans. C'était lors d'un petit shooting photo. Et je me trouve pas mal dessus. En tout cas, j'étais mieux maquillée. Et puis, j'avais des beaux cheveux. J'avais les cheveux bien bouclés, bien longs. Non, ça va, cette photo. Moi, je la trouve bien. Alors, pour la chirurgie, donc j'ai refait ma poitrine à 20 ans. Donc, ça fait 5 ans maintenant. Après, j'ai fait des petites injections aux lèvres. Et j'ai fait que ça. Les injections aux lèvres, je les ai commencées à 24 ans. Donc ça fait que un an. Voilà. Après, sinon, j'ai rien fait de ça. J'ai pas refait mes fesses comme j'ai pu le voir. J'ai rien fait sur mon visage. Alors, je fais une grimace, vous voyez, toutes mes rides. Donc, il n'y a pas de Botox. Non, du tout. J'ai rien fait de ça. Et pourquoi avoir décidé d'avoir recours à la chirurgie ? Alors, pour ma poitrine, c'est vrai que c'était un complexe. Je n'avais pas de poitrine du tout. J'étais... je trichais, je mettais des push-ups, comme toutes les filles. Mais je voulais vraiment refaire, avoir une jolie poitrine. Après, pour la bouche, c'est vrai que j'étais pas forcément obligée de la faire parce que j'avais quand même une bouche, quoi. Mais je voulais qu'elle soit un peu plus pulpeuse. Voilà, on en veut toujours trop. C'est ça mon problème. J'en veux toujours trop et je m'arrête pas. Pour l'instant, je compte m'arrêter, quoi. J'ai fait ces deux choses, c'est très bien.